1978, Claude. Claude, c'est Claude François, bien sûr, chante son ultime chanson disco, Alexandre et Alexandra, qui fait un malheur. Et ce soir, c'est Priscilla qui nous l'interprète. Voici Alexandrie, Alexandra. C'est parti. Ça te fait dans les quel âge maintenant ? 14 ans. 14 déjà ? Oh là là, on est compte. Quel talent à 14 ans. Nouvel album qui est sorti au mois de février, une fille comme moi. C'est enfin, ça. Comme toi plutôt. Oui, bon, voilà. D'accord. Toujours pas d'amour, c'est en single. C'est ça. Le cinéma. Hein. Qu'est-ce que ça a fait cette expérience avec ces grands acteurs ?
Mais c'était vraiment une très belle expérience parce que c'est complètement différent de la chanson. Et puis vraiment, l'ambiance était super et on s'est super bien éclaté. Franchement, moi, j'ai vraiment adoré. Christian Clavier, Ariel Dombal, Michel Serrault. C'est ça, oui. Encore de la chance que tu as. Ta chanson préférée des années 70. Évidemment, tu n'étais pas née pendant les années 70, mais tu as dû demander un petit peu autour de toi. Cette année-là, je pense. Cette année-là, oui. Claude François. Oui. C'est pas un mauvais choix, moi, je trouve. Hein. Merci, Priscilla. À toute époque, les scandales ont fait les choux gras de la presse qu'on appelait pas encore People, mais qu'on appelle maintenant la presse People. La Palme d'Or revient incontestablement à Michel Polnareff, les Stones ou, regardez, les Sex Pistols, des scandales.